Eh bien, bonjour, je suis en compagnie de Lucia Bendick, qui est une écrivaine locale et qui est aujourd'hui sur le marché de Sainte-Croix et qui revient d'un salon du livre à Saint-Lary-en-Couserans. Donc, Lucia, bah, présentez-vous à nos auditeurs. Bonjour, donc Lucia Bendick, comme vous l'avez dit. Donc, je suis d'origine allemande, mais je suis née en Ariège. Donc, mes parents sont venus s'installer ici il y a à peu près 37 ans. Et donc, moi, j'ai grandi dans le Couserans, c'est 30 km de Saint-Girons. Donc après j'ai dû partir pour mes études pendant une quinzaine d'années, enfin, entre les études, le travail, etc. Et puis un jour ben, je me suis dit bon, cette vie comme ça c'est pas ce qui me plaît. Moi j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être plus proche de la nature, de renouer un petit peu avec, mon ancienne vie, avoir le temps de ben, lire, de me promener, etc. Alors, donc en 2013 j'ai pris la décision de partir en voyage. Je suis partie faire un petit tour du monde, rapide, seulement sur 6 mois. Je suis partie au Japon, en Australie, Nouvelle-Zélande. J'ai continué par les États-Unis et le Canada. Et donc pendant ce voyage, j'ai terminé d'écrire mon premier roman, qui s'appelle Au bout de nulle part. Mais bon, qui n'était pas forcément ma première œuvre. J'avais déjà écrit auparavant quelques contes. Et dans tous les cas, j'écris depuis que je suis adolescente. C'est vraiment une vraie passion parce que ben, à la campagne, dans ma petite maison, dans un hameau perché dans la montagne, j'avais pas grand chose à faire à part lire et puis jouer à l'extérieur. Mais donc, quand il pleuvait, j'étais surtout à l'intérieur avec mes livres. Donc, c'est de là que me vient cette passion. Et donc, aujourd'hui, j'essaierai de retransmettre en écrivant à mon tour des livres tout public. Alors, voilà, votre production, c'est sur quel sujet, quel public vous voulez attirer à la lecture? Alors bon, mon thème principal reste souvent le voyage et les rencontres, en fait, aller à la rencontre de l'autre, donc qui permet de nous enrichir et de faire des connaissances. Mais donc j'écris pour plusieurs publics. Donc il y a une partie, c'est pour les enfants, donc il y a des contes, des petites nouvelles pour enfants. Mais il y a aussi donc une partie plus pour adultes, avec donc un premier roman, donc Notre Avenir aussi, et un récit de voyage. Donc avec beaucoup de photos du voyage que j'avais fait. Donc je vise assez large, c'est vraiment selon l'envie du moment. Après le festival de Saint-Lary, on va appeler ça comme ça, parce que c'était un festival, vous avez fait ça dans une église, il y avait aussi beaucoup de choses artistiques autour de ce salon. Vous vous retrouvez aujourd'hui sur un petit marché cantonal à Sainte-Croix. Quelle impression vous a donné ce marché et quelle impression vous donne le fait de faire des dédicaces sur un marché campagnard de terroir? Moi je trouve ça vraiment très sympa parce que vraiment c'est sur ces petits marchés qu'on rencontre le mieux les gens, pas le plus mais vraiment le mieux. On a le temps d'échanger avec eux, de discuter. Puis ben, justement ben, quand j'ai personne à mon stand, j'en profite pour aller faire 2-3 emplettes également. Donc, en plus on a le beau temps, donc c'est vraiment très bonne ambiance, très sympa. Et pour cet hiver, je suppose, comme vous êtes en montagne, il va y avoir de la neige, vous n'allez pas pouvoir sortir trop, donc vous avez un projet de livre dans la tête actuellement? Ah, j'ai tout le temps des projets de livre dans la tête, et je pense j'en ai même trop, donc le plus dur c'est de pouvoir se canaliser et de rester focalisé sur un seul projet. Donc en général, je travaille sur un projet, toujours, et toutes les autres idées, je les écris sur des petits papiers pour plus tard. Donc là, je travaille actuellement sur un nouveau roman qui parle un peu de schizophrénie. Ah bon. Je n'en révélerai pas plus, donc, mais qui va effectivement aussi se jouer en Ariège. Et après, bon, rien ne m'empêche d'écrire quelques contes en parallèle. On peut dire que votre inspiration, elle est ariégeoise? Beaucoup, parce qu'en fait, je trouve que l'Ariège, c'est un beau mélange de gens locaux, mais aussi de gens qui viennent de partout. Donc chacun avec leur histoire, leur expérience. Et après, dans tous les cas, même si moi j'aime beaucoup voyager, partir, il y a vraiment tout ce qui est la forêt ariégeoise, en tout cas, qui me rappelle à chaque fois. Eh bien, merci beaucoup, Lucia, d'être venue sur ce petit marché de pays à Sainte-Croix-Volvestre, et bonne continuation à vous. Merci à vous.